Mais aujourd'hui, il y a, à tout seigneur, tout honneur, Saint Placide. Vous direz pourquoi Saint Placide? Mais Saint Placide, c'est un bénédictin, puis l'un des premiers bénédictins. Et ça a été ce jeune disciple préféré de Saint-Benoît. Or, nous vous parlons de la paroisse Saint-Benoît. Tout ça se déroule, en somme, au Mont-Cassin. Et nous sommes sur l'avenue du Mont-Cassin. Alors, je vais donc vous parler de Saint-Placide, dont on ne sait pas grand-chose, mais c'est intéressant. Ce qu'on en sait, c'est très, très intéressant. Vous parlerez aussi, étant donné que c'est la fête de Saint-François ici, hier plutôt, je vous parlerai du bienheureux Jean de Penna, ou si vous voulez Giovanni de Penna, un franciscain, qui est décédé, lui, en 1275. Ensuite, brièvement, de Sainte-Fleur, une religieuse hospitalière décédée en 1347. Et 50 ans plus tard est décédé en 1399 le bienheureux Raymond de Capoue, un de mes patrons, qui était maître général de l'ordre dominicain, c'est-à-dire, on peut dire, le supérieur général, si vous voulez, et un homme remarquable. Et j'espère avoir le temps de vous parler des bienheureux William Hartley, John Hewitt et Robert Sutton. Robert Sutton, un laïc qui a été martyrisé avec les deux autres la même année, 1588, en France, dans des affaires à la fois et politiques et religieuses, après la naissance, n'est-ce pas, de l'anglicanisme, cette malheureuse séparation de l'Église d'Angleterre de l'Église catholique. Et enfin, je compléterai en vous disant quelques mots de sœur Faustine du Très-Saint-Sacrement, la fameuse sœur Faustine, qui a été béatifiée récemment par le pape Jean-Paul II. Donc, on commence par Saint-Placide. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Saint-Placide, donc, c'est un bénédictin du VIe siècle, puisque Saint-Benoît a vécu au VIe siècle. Saint-Grégoire le Grand, qui a été pape et qui a été un très grand pape, c'est à lui qu'on doit le chant grégorien, était bénédictin. Et dans ses dialogues au livre 2, c'est un livre très fameux dans les livres anciens, ça date de quoi, de presque 1500 ans, mais c'est encore très fameux, c'est toujours republié. Mais Saint Grégoire le Grand ne satisfait pas tout à fait notre curiosité au sujet de Saint Placide. C'est à la fin du chapitre 3 de ses dialogues dans le livre 2 qu'il nous apprend que un patricien, c'est-à-dire un homme très important sur le plan politique, Tertullus, avait confié son fils Placide à Saint-Benoît, tandis que Eutychius lui avait donné son fils mort, mort, entendons-nous, pas mort, M-O-R-T, évidemment, mais mort, M-A-U-R, Saint-Maur. D'ailleurs, Saint-Placide et Saint-Maur sont les patrons des noviciats des bénédictins. Et quand j'étais novice bénédictin Saint-Benoît-du-Lac, de 44 à 46, notre patron, ou nos patrons, comme novice, c'était Saint-Placide et Saint-Maur. Et vous verrez pourquoi, quand je vous raconterai la brève vie de Saint-Placide. Saint-Maur, quoique jeune, était assez sérieux pour aider son maître Saint-Benoît. Mais Placide était plus jeune, c'était encore un enfant. Et Don Jean Mabillon, oh, un fameux bénédictin de Saint-Maur, ça c'est justement de la congrégation de Saint-Maur, congrégation illustre en France, dans laquelle est entré le fils de Marie de l'Incarnation, cette grande Ursuline de Québec, la plus grande mystique. Eh bien, Don Jean Mabillon, très grand savant, j'ai de ses ouvrages chez moi, c'est passionnant à lire, mais il a proposé la date de 522 pour la présentation de nos deux jeunes moines à Saint-Benoît. Au chapitre 5, on voit dans les dialogues Saint-Benoît faire une nuit avec le petit Placide par Voulot Puerello, dit-on dans le texte. Il fait quoi pendant la nuit? L'ascension d'un sommet pour faire comme Jésus, pour aller y prier, afin que le Seigneur y amène de l'eau pour la commodité des moines qui commencent à se réunir autour de Saint-Benoît, qui au début était ermite. Au chapitre 7, il y a un texte qui mériterait d'être traduit.
Un jour que le vénérable Benoît, fondateur des bénédictins, patriarche de l'Occident, un des plus grands saints de toute l'histoire de l'Église, Saint Benoît, un jour que le vénérable Benoît se tenait dans sa cellule, Placide, le jeune moine du Saint-Homme, sortit pour aller au lac puiser de l'eau, mais en y plongeant sans précaution la cruche qu'il tenait, il perdit l'équilibre et la suivit dans l'eau. Et bientôt, le courant l'entraîna et l'emporta loin du bord, à peu près à une portée de flèche. Or, l'homme de Dieu, Saint Benoît, de l'intérieur de sa cellule, en eut tout de suite connaissance et appela mort en hâte. « Frère mort, cours, car cet enfant qui était allé puiser de l'eau est tombé dans le lac, et déjà le courant l'emporte fort loin. » Or, c'est ça, moi, ça nous émerveillait quand on était jeune moine. Chose merveilleuse et inouïe, depuis l'apôtre Saint-Pierre, ayant demandé et reçu la bénédiction de son père Benoît, et sur son ordre, mort se précipite. Il court jusqu'au lieu où le flot avait entraîné l'enfant Placide. Se croyant sur la terre ferme dans sa course sur les eaux, il le saisit par les cheveux et revient de même en courant. Et dès qu'il eut touché terre, revenu à lui, surpris, il regarda en arrière et s'aperçut qu'il avait couru sur les eaux. Alors, absolument stupéfait, il frémit d'avoir fait ce qu'il n'eût jamais pensé pouvoir faire. Et de retour auprès du Père, il lui raconta ce qui s'était passé et le vénérable Benoît commença à attribuer cela non à ses propres mérites, mais à l'obéissance. C'est ça qui nous frappait quand on était jeunes. C'était l'obéissance qui avait permis à mort de marcher sur les eaux pour sauver Placide. Au contraire, dit le texte très ancien, mort disait que c'était dû au seul commandement qui venait de la bouche de Benoît et qui n'était pour rien dans un prodige accompli inconsciemment. Or, dans cet aimable assaut d'humilité, écrit Saint Grégoire, intervint comme arbitre l'enfant qui avait été sauvé. Il déclara, « Moi, comme on me tirait de l'eau, au-dessus de ma tête, je voyais le manteau de l'abbé Benoît, et je pensais que c'était bien lui qui me sortait de l'eau. » C'est charmant, ces contes anciens qui ont une certaine naïveté, mais qui mettent en évidence la grande vertu de l'obéissance, de l'empressement à faire ce qui nous est demandé quand c'est un commandement intelligent et bon. Aller sauver quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas un commandement plus merveilleux? Et mort a obéi. Et on raconte, est-ce vrai, n'est-ce pas vrai, qu'un miracle s'est opéré? Il a pu ainsi sauver Placide. Voilà, c'est tout ce que Saint Grégoire le Grand nous dit de Saint Placide. Il y a des litanies à partir du 9e siècle qui invoquent Saint Placide, qui est toujours classé parmi les moines, les confesseurs. Il y a même une fresque rupestre, comme on dit, très très ancienne, près de Valerano, dans la région de Viterbe, en Italie, où on voit Saint-Placide près de Saint-Benoît et de Saint-Maur. Ils portent tous la tunique monastique, là, puis le scapulaire, vous savez, ce grand tablier en avant et en arrière avec un capuchon. Placide tient une croix blanche dans la main droite. Ce document est de la fin du 10e siècle, ou un peu postérieure. J'imagine qu'il tient une croix blanche pour signifier qu'il a été sauvé. À la fin du 11e siècle, les moines du Mont Cassin se sont avisés de rattacher ce moine commémoré, Saint-Placide, commémoré le 5 octobre, à un martyr de Sicile qui portait le même nom et que les anciens martyrologes donnaient ce même jour. Or, Pierre Diacre de la grande abbaye du Mont Cassin s'est chargé de conférer aux disciples de Saint-Benoît la palme du martyr, parce que là, il a écrit une espèce de roman qu'il a signé même d'un pseudonyme du nom de Gordien, en prétendant avoir été compagnon du martyr Placide,
et puis que Placide avait été envoyé par Saint-Benoît en Sicile, où il avait fondé le monastère, un monastère à Messine. Alors voilà pour la légende. Voyez, les auteurs catholiques aujourd'hui sont capables de faire la part des choses et de rejeter. Et si je vous disais pourquoi on rejette cette légende, ce serait trop long. Il y a tous les détails des dates, etc. Et c'est fantastique le travail que font les historiens catholiques pour décortiquer tout ça et arriver à l'essentiel. On ne se gêne pas dans l'Église catholique pour décortiquer les choses, même dans l'histoire des papes, l'histoire de l'Église. Et nous savons de plus en plus, heureusement, reconnaître nos torts, les bévues, les légendes, etc. C'est peut-être un des seuls mouvements dans l'histoire qui ose, avec autant d'autocritique, analyser les choses. Le 4 août 1588, on aurait découvert dans le cœur de Saint-Jean-Baptiste de Messine, justement où Saint-Placide serait allé fonder un monastère, trois corps d'hommes et un de femmes. On prétendait que c'était Saint-Placide, ses deux frères, car il avait deux frères et sa sœur. Toutes sortes de légendes, on a trouvé d'autres squelettes, si bien que le total, finalement, était de 33. Toutes sortes d'histoires abracadabrantes, quoi. De toute façon, ce jeune moine de Saint-Benoît, Placide, l'enfant du groupe du tout début de ce grand ordre qu'est l'ordre des bénédictins, est devenu comme le patron, comme je vous ai dit, des noviciats bénédictins. Et de là, cette coutume pour la Saint-Placide aujourd'hui de faire officier dans certains monastères le père maître du noviciat, c'est-à-dire celui qui forme les novices, entouré dans la mesure du possible par ses novices pour célébrer la messe. On peut voir fonctionner alors, pour la première fois, de tout jeunes chantres, un tout jeune cérémoniaire, car les moines entraient très jeunes. Moi, je suis entré à 18 ans et 20 jours, 25 jours. C'était très jeune à l'époque. Aujourd'hui, on n'entre plus si jeune. Et voilà pour la vie de Saint-Placide. Et maintenant, nous passons au bienheureux Giovanni de Penna, ou Jean de Penna, un franciscain, décédé en 1275, donc au début de l'ordre des franciscains, dont on fondait, comme je vous disais, hier et tout à l'heure, l'anniversaire du décès du fondateur Saint-François d'Assise. Jean de Penna est né dans le premier tiers du XIIIe siècle, au village de Penna, d'où lui vient son nom, c'est près d'Ancône, ce port dont je vous ai parlé, près de l'Adriatique, à la hauteur de Florence, disons. Et dès ses premières années, il semble qu'il a été favorisé d'une protection assez particulière de Dieu. Il a reçu des grâces spéciales, raconte-t-on. On raconte même qu'une nuit, un bel enfant, qui aurait peut-être été un ange, les anges sont de plus en plus à la mode aujourd'hui, un bel enfant l'aurait appelé. Il lui aurait dit, Giovanni, Jean, va à Santo Stefano, ou si vous voulez, Saint-Étienne, va à Santo Stefano, où prêche l'un de mes frères, ajoute foi à sa doctrine, sois attentif à ses paroles, car c'est moi qui l'ai envoyé. Ceci fait, tu auras un grand voyage à accomplir, et puis tu viendras à moi. Or, ces paroles à peine prononcées, notre jeune adolescent, Jean de Penna, a senti dans son âme, dit-on, un changement complet. Une orientation nouvelle, inconnue encore, semblait naître en lui. Alors, à l'église de Santo Stefano, devant un auditoire comble, il y avait un frère mineur, un franciscain, du nom de Philippe, qui prêchait. Il exaltait les vertus de pauvreté et d'humilité, vertus propres aux franciscains du tout début. J'espère qu'elles sont encore les leurs aujourd'hui, n'est-ce pas? Or, la prédication terminée, notre jeune homme alla trouver le prédicateur et lui fit cette demande. « Mon père, s'il vous plaisait de me recevoir dans votre ordre,
j'y ferai avec plaisir pénitence. Et puis j'y servirai notre Seigneur Jésus-Christ. Alors le prédicateur, le père Philippe, a vu que Jean était animé d'une excellente bonne volonté de servir Dieu. Il lui a dit, « Viens me trouver à Recanati, et je te ferai sur le champ admettre en ce couvent. » Or, dans sa candeur, Jean a cru que c'était là le grand voyage dont il avait eu connaissance dans sa vision, vous savez, l'enfant qui lui avait dit qu'il aurait un grand voyage. Et que ce grand voyage terminé, bien, il s'en irait au ciel. Alors, à Recanati, il a été admis au nombre des frères mineurs. Mais il a constaté que ses prévisions ne se réalisaient pas. Bientôt après, en 1217, lors d'un chapitre, c'est-à-dire une réunion d'administration, n'est-ce pas, il a entendu annoncer que le ministre provincial cherchait des frères volontaires pour la Provence, dans le sud de la France, là où poussent les immenses champs de lavande. Aussi, c'est un des paradis de la terre, c'est la Provence. Hein? Et sans hésiter, Jean a dit au frère Philippe, « Pour moi, j'irai volontiers. » Il pensait que cette fois, il s'agissait bien de ce grand voyage dont il avait eu révélation et qui devait précéder son départ pour le ciel. Alors, quand il a reçu l'autorisation, il s'est mis en route avec ses compagnons. Mais, arrivé dans sa nouvelle province, la Provence, là, il lui a fallu se livrer à toutes sortes de travaux, d'apostolat et de prédication. Et là, bien, sa douceur, sa très grande bonté, sa patience, ça lui a gagné les cœurs de tout le monde. Les gens fuyaient vers lui. Il est demeuré 25 ans en Provence, imaginez. 25 ans. Quelle belle vie, hein? Et ce terme écoulé, bien, il croyait pouvoir abandonner enfin la terre et s'en aller au ciel pour voir cet enfant, qui aurait pu être l'enfant Jésus ou un ange, qui lui était apparu, là. Et un jour qu'il pleurait et se lamentait parce que ses désirs ne se réalisaient pas, bien, le Christ lui était apparu. Il a dit, « Mon fils, demande-moi ce que tu veux. » Et Jean lui a dit, « Mon Seigneur, c'est très beau ça, je ne sais te demander autre chose que toi-même. » Car je ne désire rien de plus. Toutefois, je t'adresse cette prière. Pardonne-moi tous mes péchés. Accorde-moi la grâce de te revoir encore une fois quand j'en aurai le plus besoin. Quelle belle prière, je la répète, hein, mon Seigneur. Je ne sais te demander autre chose que toi-même. Car je ne désire rien de plus. Toutefois, je t'adresse cette prière. Pardonne-moi tous mes péchés et accorde-moi la grâce de te revoir encore une fois quand j'en aurai le plus besoin. » Et Jésus lui a répondu, « Ta prière est exaucée. » Et frère Jean resta tout consolé de cette vision. Et en 1242, le ministre général des Franciscains, Aymon de Faversham, l'a rappelé dans sa province, où il est venu diriger plusieurs couvents, charge dont il s'est acquitté avec prudence et charité. Et alors, Dieu l'a favorisé du don des miracles, et un jour qu'il se trouvait en oraison, un ange lui est apparu et lui a annoncé que le grand voyage, enfin, qui lui avait été prédit jadis, touchait à son terme, et qu'il devait se tenir prêt et se purifier encore davantage. Et en outre, Dieu, chose étrange, enfin c'est bien étrange cette histoire, Dieu lui donnait le choix entre un jour de purgatoire et 7 jours de souffrance sur cette terre. Et qu'est-ce qu'il a choisi, Jean? Ben, il a choisi les peines de cette vie. Et presque aussitôt, le pauvre bienheureux Jean a senti la maladie fondre sur lui, cruelle et atroce, à laquelle sont venues s'ajouter des peines intérieures, des tentations de désespoir. Tout ça, ça a augmenté encore ses souffrances, et les 7 jours de purification achevés, bien notre Seigneur lui est apparu, resplendissant de gloire, et lui annonça que son voyage était enfin achevé, et qu'il venait l'amener au paradis.
Alors un rayon de joie a illuminé le visage du malade qui s'est éteint à Penna le 3 avril 1275. Mais on célèbre sa fête le 5 octobre. Son culte a été approuvé, ce culte immémorial a été approuvé à travers les siècles, parce qu'il a été toujours vénéré par son abandon et sa joie à se donner à Jésus. Sainte Fleur, qui a vécu au XIVe siècle, c'est un nom poétique qu'elle porte, et nous devons l'histoire de sa vie à son confesseur. Fleur était originaire du Cantal. Elle est devenue religieuse hospitalière dans un couvent du Quercy à Beaulieu. Elle était d'une piété précoce et c'est à l'âge de 14 ans qu'elle avait entendu l'appel de Dieu. Ses parents ont fait le sacrifice de leur fille avec un grand esprit de foi. Il disait à tout le monde, Dieu l'attire à lui. Comment la refuser à Dieu? Et dans l'hôpital où elle se trouvait, elle a eu quelques scrupules. Les malades ne manquaient de rien. Les religieuses profitaient d'une certaine abondance matérielle. Quand on vit en communauté comme ça, alors elle avait des scrupules. Se demandait si elle n'allait pas perdre son âme. Elle qui avait quitté le monde pour vivre une vie de pénitence et de pauvreté. Alors le Seigneur l'a rassurée en lui faisant comprendre qu'il y a bien des manières de pratiquer l'ascèse et la pénitence, et que ce qui compte, c'est l'abandon à sa volonté. L'abandon à sa volonté, disait le Seigneur au cœur de Sainte Fleur, l'abandon à sa volonté vaut mieux que les sacrifices. N'oublions jamais ça. Ce qui compte, c'est de faire notre devoir d'État, faire ce que nous avons à faire. C'est pas de faire des choses fantastiques, de pénitence qui nous rendent malades, là. Faire des sacrifices comme si ça plaisait à Dieu qu'on souffre, mais pas du tout. C'est notre amour qui plaît à Dieu. Ce ne sont pas des sacrifices que je veux, dit Dieu. Hein? C'est la conversion du cœur. Alors là sont venues les tentations pour Sainte Fleur. Son biographe les attribue directement au démon. Et le récit est intéressant car il montre comment ce tentateur peut troubler en utilisant la parole même de Dieu, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Jésus au désert, hein, n'oublions pas ça. Or, à cette religieuse qui avait donné totalement sa vie à Dieu, il a rappelé l'ordre du Créateur qui est dans la Bible. « Croissez et multipliez-vous », lui faisait-il entendre à l'oreille de cette sœur, le démon. Ne s'était-elle pas trompée en renonçant au mariage, à la maternité? C'est la tentation que nous suggèrent parfois certains protestants qui rejettent le célibat voulu, décidé et consacré. Puis, le démon a cherché à la pousser à l'infidélité et au péché dans ce domaine-là, en lui citant l'enseignement de Jésus, selon lequel le plus grand péché n'est pas celui qui concerne le corps, car on peut facilement s'en purifier après avoir commis un péché de chair. Mais c'est le péché contre le Saint-Esprit. Et notre religieuse, bien, pour sortir victorieuse de ces tentations-là, a eu recours à deux moyens toujours valables. C'est la prière puis la méditation de la pensée et de la pension, de la passion du Seigneur. Alors, Dieu l'a visitée, elle a eu des extases, mais elle cachait ses faveurs à toutes les autres sœurs. Et c'est en 1347, un jour qui n'est pas précisé, que Dieu est venu cueillir cette fleur pour la transplanter, dirait-on, dans son jardin au paradis, où rien ne fane, hein? Et puis rien ne meurt. Et des miracles ont eu lieu dans la région où elle avait vécu et aux alentours. Et c'est venu confirmer la sainteté de Sainte Fleur, dont on fête aujourd'hui la vie.